Ok, donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour la suite de Blasphemous 1, l'épisode 4. Oui. Donc on était à 26,91. On est bien avancé. On a même battu un boss. Maintenant, le truc, ce qu'il faut faire, c'est monter dans la zone enneigée. Ah ouais, c'est vrai, j'étais mort ici, moi. Ce qui est terrible, c'est que je crois que dans ma partie principale, je crois que j'ai que 3 fioles, en fait. Donc là, j'ai mieux découvert. Oh. La fameuse. Take the necks of my deep pains. Votre santé maximum a augmenté. Ça c'est cool. C'est-à-dire que notre vie elle est plus grande. Il y a tellement d'objets là. Voilà. Attends, je suis pas là en bas. Non, j'y suis pas allé. C'est passé au vert quoi. Ah oui, c'est ouvert cette porte. Voile du deuil noir. Sûrement un objet de quête. C'est un traquenard, ça. On va passer ici, c'est mieux. Parce que de toute façon, on va être dans la neige. Ah mais du coup, on peut retourner voir l'enfant. C'est lui qui veut le vif d'argent. Bah oui. Améliorer. On a tout ce qu'il faut. Mais du coup, on sacrifie une fiole. Graceful be the heart.
with this silver, I bless the mixture that will recover your spilled blood. Le pouvoir curatif des flasques de bile est accru. Ouais, donc en gros, mon soin il est plus efficace, mais je perds une fiole. Pas grave. Je pourrais en récupérer. Mais en tout cas, on a terminé une mission. Ah oui, le soin il est énervé. Ça. Prendre ça. Ça, c'est des pouvoirs en fait. Mais vu que je suis un mea culpa 1, je peux faire que ça en amélioration. Et comme par hasard, ça nous ramène ici. Et en plus, la neige, elle est juste au-dessus. Ah oui, attends. Attends, c'est quoi ça? Le cœur d'une épée bénie de prière feinte s'enchaîne, hein? Mais empêche d'utiliser un flacon de bile. Non. Let's go pour la neige. Non, je crois que je l'ai déjà fait ça. Ok. Pourquoi je peux pas ça? Il leur faut 7 coups. J'ai un saut et un coup de roulade en plus. Ok, un objet intéressant. Ah, le vent, ça souffle. Attends, j'arrive même pas à monter. Je viens de perdre. J'ai même pas assez en plus.
Et en plus de ça, j'allais régène rien. Oh la chance. Ok, un objet. C'est ici la suite. Mais eux, ils sont fourbes. Os mariétal. Ah mais il y a des trucs ici mais on peut pas. Ça m'a donné en fait une quatrième fiole. Dinguerie. Non mais lui, il a une allonge de malade. Faut que j'aille loin. On va faire ça en 2 secondes. Hein. C'est chaud. C'est vraiment difficile. Hein. En fait, ce que j'ai peur le plus, c'est les fantômes. Parce que eux, ils peuvent te suivre à tellement loin.
En tout cas, la musique, elle est calme. Mais... voilà les fantômes. Ils sont tellement chiants. On va dire qu'on a récupéré un objet, c'est déjà ça. J'ai même pas pu lire ce que c'était. Tellement que le fantôme il me perturbait. Un occipu de tequila. Bon. En vrai, ça, je commence à m'y habituer. Qu'il est con. Mais... quand même, hein. Je le laisse en bas, lui. En fait, faut jouer avec la température et le vent. Mauvais sens. Morceau de pierre tombale.
Ok. Indeed, sister of mine. Our encounter is approaching. Ok. The miracle will protect me. I do not need your protection this time. Leave me alone. C'est un malade. C'est un fou, lui. Ok. Couvent de Notre-Dame au visage calciné. Oh putain. Ouah, fait mal. Oh putain. Et en plus, il y a même une bombe à la fin. Enfin un TP. Ok. Ouais, de la lave. Oh putain. Ah, c'est lui qui enclenche tout là. Le bouffon là. Non mais lui il peut sauter à travers tous les murs. Ah mais en fait c'est pas un mur. J'avoue que le petit saut rotation là, il est plutôt cool. Hein. Ah, c'est l'objet de tout à l'heure. Stérum de Vidas, le comédien. Attention quand même. Ah, faut glisser. Ah, c'est chiant. Oh, le bouffon.
Ok, ça c'est ouvert. Et c'est quoi? Un fragment de masque d'or. De toute façon, j'y retournerai par là. Donc c'est win. C'est vrai que les soins ils sont bien. Ils régènent beaucoup. Donc ça j'avais fait, j'étais mort en haut. Oh la dinguerie! Bah là c'est gagné en fait. Attends. Ouais ouais. Protection contre les flammes. Une résistance contre les chutes, les élimations de récupération. Mais j'ai pas d'autre slot en fait. Oh t'es qui toi? C'est qui lui? C'est quoi ces vieux mobs de mort là? C'est con lui. Mais ils sont littéralement cons. Imprévisible en fait ces mobs. En fait ils font tous la même chose. Je t'avoue, je m'attendais pas qu'il y en aurait un en fait. Je pensais que c'était un petit mob unique, c'est spécial. Je vais tirer dessus. J'aurais pu le tuer facile, mais j'ai trop peur en fait. Parce que si George l'attaque et l'autre il s'attaque derrière, je peux me faire avoir facile. J'ai l'impression que je suis dans une boucle.
Ok. Y'a pas un truc? Ah si, y'avait un truc en bas. En fait, tu peux attendre comme un con, en fait. Il est con. Pourquoi il y a une bougie? Ouais, donc en fait en bas c'était juste pour récupérer un truc unique quoi. Oh! Oh la technique! Oh attends. Technique de pièce. Technique. Bon, j'avance. Hein. Enfin. Ah, attends. Faut mes objets. Putain, j'ai rien trouvé en relique. J'suis une merde. Bref. Bonjour. Oh, y'a un boss. Oui. The hair that grows silvery, or my trembling legs. Our pact has yet to be concluded, as has your arduous enterprise. Penitent one, will you require my assistance with your next task? So be it. Bon, je la garde, hein, mais... Oh, la gueule!
C'est là-haut là ? Oh ! Et là, mon gars, j'étais en pleine concentration totale. Je t'avoue que là, c'était bien. La culpabilité a été expiée. I feel fortunate to partake in this victory. Before I depart, I want these words to accompany you, so that you remember our pact. Sarabanda du Havre. Penitent one in silence. Now resume your journey. Le mec, il en a plus rien à foutre. Ça me tue. En tout cas, elle m'a bien servi. Elle était gentille de m'aider avec son soin. Sainte blessure scrupule. C'est pas l'entrée où il y avait le mec là, où il nous disait qu'il faut affronter des personnes de la neige, des grottes sombres ou je sais pas quoi, ou des cloches, je crois il disait ça. Donc c'est-à-dire qu'on les a tous tués. C'est-à-dire que du coup maintenant on peut retourner
D'ici là. Au pont du calvaire. Intéressant. Gobelet doré rempli d'huile. Donc l'huile brûlante, c'est pas avec l'arbre qui a... Si, il y avait un arbre qui voulait qu'on brûle, ce bouffon. Donc, attends, je vais voir où ça mène déjà, ça. Oh. Attends, je vois où ça va où. Oh oui. La vertu de mea culpa a grandi. Du coup, je suis en deux. Très bien. Ah, c'est 7000. C'est besoin. Faire une attaque de jet. Ouais. Et là, on va économiser pour ça. Donc, c'est B. Attends, je regarde. D'accord. En fait, faut pas faire comme ça. Faut faire un coup. Intéressant. Ça la one shot. Et ça consomme des trucs. Bah déjà pour les boss, c'est pas mal. On va pouvoir faire des trucs. Et surtout qu'on va pouvoir choper en fait les objets qui sont à distance. Oh! L'arme est d'expiation. Ma pauvre. Tu étais la meilleure. Ok. Il me semble que je pouvais acheter une fiole vide de Bill. Oh. Saphir cloîtré. Ah, il y avait juste ça. Bah du coup on peut aller à la porte. Parce qu'en fait là je pense qu'il n'y a rien. Ah quoique, attends. Ici c'est vrai qu'il y avait un truc. Attends, y a pas. C'est où là? Oh le con. Oh.
Il ne s'est rien passé. Ok. Bon bah je remonte hein. Ok. Et bah c'est bien. On avance dans ce petit périple. On a battu un boss. En vrai je pourrais même m'arrêter là hein, si je voulais. Mais sauf que j'ai envie de quand même au moins avancer un peu en termes de... comment ça s'appelle ? De chemin. Pour éviter de refaire tout ça quand ça arrivait quoi. C'est vrai qu'en dessous, je crois que je l'ai pas fait. Hein. Ouais, en dessous, je l'ai pas fait. Hein. Putain, je l'ai même pas fait ça. Mais comment tu chasses là ? Oh, mais non. Donc là il y a un truc à faire, donc faut le mettre, faut le noter. Et donc tu vas tout droit. Ah c'est après t'es juste à descendre en fait. Je vais y aller quand même, j'ai peut-être des objets à prendre, mais... Trempe le cœur et augmente sa défense de quiconque le porte. Alors ça, ça a l'air d'être exceptionnel. Je le prends parce que de toute façon, il faut un objet. Je reviendrai. Ok. Pourquoi je peux pas ouvrir ? Il y a des trucs ici, je sais qu'il y aura des trucs là, mais... C'est quoi l'objet en fait qu'il faut ? Prévisible en plus. Lui, il en a rien à foutre, lui. On va un peu avancer aussi en bas. C'est pas grave si on fait pas le chemin. Moi, de toute façon, je suis juste à côté. De toute façon, dites-vous qu'on a battu un boss. Donc, on a fait la première mission principale du jeu. Qui est donc de tuer les trois... ennemis chiants, quoi. Quand même, hein.
cheveux de Tintudia. C'est un fou lui. T'en vois rien en bas en fait. Ah mais du coup on arrive à lui, mais si je lui donne l'huile? Bah oui. C'est honteux. Ok. Ok. On va voir. Normalement, la porte elle est ouverte. Sister, I know you are there. Even if I can't see you, hear my plea. Si seulement c'était facile. Departure, it is now my turn. La vie est dure. To prove I'm deserving of our captain's trust. I will not fail, Chrysanta. And may the greatest of pains devour me if I let the penitents through this door. On your guard, penitent one. Putain de merde. L'estrade de la Légion Mointe. Wow, wow, wow. C'est impossible. Il est vif. Putain, je dois m'arrêter normalement. Bon, je tente une dernière fois. Si je le fais, si j'y arrive pas, à l'épisode 5, au début de l'aventure, enfin au début de l'épisode 5, on fera ça et on avancera un peu plus, ok? Alors je veux juste tenter, mais dans de bonne et due forme, j'ai vu que j'avais un objet anti-électricité, alors attends. C'est lui, hein. Protège contre la foudre. Peut-être moyen. Sister, I know after your and may the on your. Thank you.
Turin. Non mais attends, j'étais à la fin. Mais ça dégoûte. J'étais à ça de sa vie. Le mec, tu l'entends crier en fond, quoi. Alors, il y a un truc. Je vais retenter une dernière fois. Désolé. Je vais mettre ça. L'électricité, mais il y a moyen. Sister, after and may on your... Ah!
Voilà mon petit pote. À la compote. Sister, forgive me. Now I will cross over to the other side of the dream and return to your side. Requiem Aeternam. Et ben voilà. Tarantua, ma sœur. Attends, me dis pas que c'est le pouvoir que je viens d'avoir là. Oh, c'est une dinguerie ça. Attends, vous savez quoi? Avant d'y aller, pour la surprise de l'épisode 5, bien sûr, de la prochaine fois, nous allons nous poser. Tranquille. Voilà. Et puis nous verrons donc cela la prochaine fois. Voilà. Du coup, bah, je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour la prochaine fois. C'est vrai que là, je m'attendais pas. On a fait deux boss aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais m'arrêter là. Donc on verra donc cela pour la prochaine fois, donc n'hésitez pas à liker bien sûr, pour le réconfort, parce que je souffre en faisant ces boss, bien sûr. La difficulté, hein, vous comprenez. Et l'abonnement aussi, ça ferait plaisir, surtout qu'en plus, en fait quand moi je fais, ou d'autres personnes, hein, font des jeux comme cela, comme par exemple Blasphemous, Dark Souls, Sekiro, Elden Ring et tout, faut se dire que mentalement c'est dur. Parce que tu meurs plein de fois et tout, et c'est la merde. Moi j'ai la chance parce que le jeu je le fais aussi en off. Du coup, c'est vrai que les boss je les travaille pas, hein. Je les fais une fois et c'est fait. Mais là bon bref, c'est juste que moi j'ai eu de la chance. Moi en fait j'ai un truc en moi, c'est quoi? C'est que j'ai un bon... J'analyse très bien en fait. Ce qui fait que chaque boss peut être facile au bout de 2-3 tries. Voilà. Donc voilà. C'est un peu un atout si tu veux, hein. Mais bon. En 2-3 tries, c'est bâclé quoi. Bref. Du coup, moi je vais m'arrêter là, on verra donc cela pour la prochaine fois, donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, likez et abonnement. Bye à tous.